Russula sanguinea. La russule sanguine ou russule rouge sang. C'est une belle russule. Son chapeau peut atteindre les 12 cm de diamètre. De couleur rouge sang à rouge pourpre. Hémisphérique au début, puis aplani. La cuticule ou revêtement du chapeau a un aspect soyeux, légèrement feutré, ce qui caractérise également cette espèce. On notera l'existence aussi d'une forme blanche de Russula sanguinea. On la rencontrera surtout sous pin, parfois sous d'autres conifères. Les lames, d'abord blanches, deviennent progressivement ocracées pâles avec l'âge. Elles sont largement adnées à légèrement décurrentes. Le stipe est rouge à saumon. Sa surface est ornée de fines fibrilles longitudinales. Blanche au tout début, puis par la suite nuancée de rouge, plus ou moins foncé sur toute sa longueur, ou par place. Réaction au sulfate de fer et rose pâle. La chair est blanchâtre et ferme. L'odeur très faible ou nulle. Cette russule est inconsommable, notamment en raison de sa saveur très piquante, voire brûlante. Il n'y a qu'à porter un petit morceau de chapeau, le poser, déposer sur votre langue pour sentir ce piquant très prononcé. La couleur de la sporée est très importante dans l'identification des russules, va des tons crème foncé à ocracé pâle. On la situe en moyenne vers 3 de la grille de Romagnesi. Voilà les amis, c'est un beau champignon que j'ai apprécié de rencontrer, car ce n'est pas souvent le cas sur mes terrains de prospection à moi. Donc j'étais content de vous la présenter également. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles balades en attendant. Ciao les amis, à très bientôt.